Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu Tiny Tinus Wonderland Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Hey, quand on veut sauver le monde, on a l'obligation morale de s'optimiser. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a au bout. Bon. Et où? Oh, ça tire dans la main, ça. Je dois traverser l'océan et mettre un bon coup de pied aux fesses du Seigneur Dragon. J'ai besoin de vous que pour la première partie. Il y a deux trucs que j'adore en ce moment. Les quêtes de malades et les explosions. Et respecter tout être vivant indépendamment de mes propres préjugés. Ça fait trois. Je fais trop de la depuis que mon lutte magique marche plus. C'est quoi le problème avec ce lutte? J'en sais rien. Il est taillé dans le
bois de la forêt. Donc il devrait être magique. Je l'ai gagné dans un concours de biceps contre Tonton Bonnefait. Ok, je vois le problème. Des tas de barres se font avoir. En fait, vous devez jouer du luth, pas vous en servir comme massue. C'est une bonne idée. Merci de venir à mon secours. Solo de luth. Cristaux sont pires que je l'imaginais. Ils sont en train de vider la forêt de son énergie spirituelle. Et de la cheminer jusqu'à moi, ce qui me permet de faire des choses de ce genre. Soudain, un escadron de squelettes pris en embuscade ces idiots en pleine forêt. Ils sortent de ce cristal. Il faut que vous détruisiez ça avec vos armes et de ça. Oh. Balance ton sort.
avez détruit le cristal, la magie revient. Je la sens. On va continuer. Il y a une autre épine un peu plus loin. On va lui défoncer le... Alors le seigneur dragon utilise les épines de cristal pour absorber la magie de la forêt? Tu vois, il faut reconnaître que c'est un bon business. Pourquoi on se mettrait pas à faire pareil? Parce que c'est machiavélique. Sauf si on s'en sert pour filer des pots de chambre enchantés à des orphelins. Je t'ai bien mouché. Tu vas ruiner pour moi. Allez, cours, mon ami. Vivant là.
Ouais, je les kiffe. J'en étais sûr. On était fait pour se rencontrer. C'était notre destinée. À nous la gloire. Tina, qu'est-ce que tu caches dans ta main? Rien du tout. Je connais ce rire. Elle te prépare un sale coup. Et si c'est ce à quoi je pense, tu risques une belle frayeur. Quelqu'un s'est égaré? Quoi ça, tabarnak? Je te sors un sort. Admirez. Regardez, le cœur de la forêt se trouve derrière cette... L'horrible visage de la Banshee. Banshee. La Banshee, si tôt dans la partie, prend garde, un destin, cherche à exterminer le groupe entier. Allez. What? Tant de puissance, c'est presque indécent. Ça redescend, comme toujours. Par ici. Une arme de merde que j'ai.
J'espère que personne n'a touché à mes affaires. The fuck? Ah, maintenir pour abandonner. Zut. J'ai pas touché une fois encore. Qu'est-ce que je peux oser faire, moi, là? C'était juste un petit moment de comédie. Je sais pas si vous voyez. Thank you.
On l'a eu, je pense. On l'a eu. La Banshee s'arrête de crier, parfait. Impressionnant. J'ai déjà vu des personnages de haut niveau se faire massacrer par la Banshee. De toi à moi, c'est mon ex. Elle m'a quitté pour le Maelstrom de la Folie Furieuse. Elle n'a pas perdu au change. Il est hyper gaulé. Non ! Le cœur de la forêt est déjà corrompu. Maléfice ! Tu m'as pris ma magie et mon meilleur ami ! Je gratterai plus jamais les cordes ! Ah ! Hé ! Y'a quelqu'un ? Sortez-moi de là ! Cette voix étouffée semble provenir d'un cristal en cage, accroché devant le cœur corrompu. Tirez sur ce truc ! Bonne chance à vous ! Putain ! Ouais ! Tonton bonne fée ! T'es en vie ! Tonton bonne fée ! Vous me connaissez? En vrai, on s'est jamais croisé. Mais je suis tonton bonne fée. Mon rôle a toujours été de veiller sur la magie. Surtout avec mes poings. Et j'ai vu assez de héros dans ma vie pour savoir que vous en faites partie. Vous pourriez réparer son luth magique? Il doit bénir notre bateau. Si je peux? C'était le mien avant qu'il le gagne. Prenez-en de la graine. Zip zip, zap zap, pif paf, ma gueule! Ouais, c'est bon! J'ai le luth rempli à ras-bord! Un peu, mon neveu! Vas-y, passe-le! Luth! J'ai riffé tellement fort que ça m'a téléporté! Merci, tonton bonne fée! Et vous, on se retrouve sur les quais! Monsieur Thor, le barbare, vous attend sur les quais de la ville. Bon. Allons-y. Ok, donnons à notre bateau cette stupide bénédiction. C'est pas à chier, c'est les règles, c'est tout. Ben les règles sont stupides. Je veux juste avancer dans la quête, moi. Oh, oh, les dissensions surviennent. On dirait que ton histoire commence à prendre l'eau, main du destin. Chargé à bloc! Conduisez-moi votre noble navire! C'est tout! Il est juste là. Vous embarquez sur ce truc de... Vous avez des... Mais pourquoi tout le monde dénigre notre fier Balzania? Parce que c'est un bateau de merde! Non! Des sacro-saintes règles, ça c'est de la merde! Ok, je vois le malaise! Votre groupe est divisé! Je peux rien bénir dans ces conditions! Alors on va faire un bœuf! En avant la musique! J'ai de zik! Transformez vos émotions en mélodie envoûtante! Bref, Valentine aime jouer à Bunker et Brutus parce qu'il a l'impression d'être un héros. Et il préfère s'éclater plutôt que de suivre les règles. Bon, très bien. Je ne fais pas ça juste pour t'emmerder, tu sais. C'est justement pour ces règles que j'adore Bunker et Brutus. C'est mon échappatoire à l'anarchie du monde réel. Ici, je comprends comment ça marche et ça m'apaise. C'est ça ! Ouais ! Allez, faites péter les basses ! Deuxième jet de zik ! Rock'n'roll !
besoin des règles pour s'éclater. Donc des fois, toi aussi, tu dois les respecter, ok? Moi aussi, c'est mon échappatoire. Dans la vraie vie, j'enchaîne les boulots. Je dois penser à faire le plein du vaisseau. Salut Gwen, comment ça va? Alors qui sait? Je peux être quelqu'un. J'ai un navire tout neuf, une quête épique et l'occasion d'être un héros. Et bah, la boutique a planté notre vaisseau. Tranquille, tranquille, merci. What the hell? Le vil océan a été vaincu. Notre aventure épique au scénario. Et s'il n'y a plus d'eau. Continue. Non, mais c'est une blague. Je rêve. J'ai jamais aimé l'océan de toute façon. Par contre, j'aimais bien les sushis. Hélas, la dernière heure du fier Balzania a sonné. Repose en paix, majestueux navire. Repose en paix. Et plus d'eau, Alice. Bon, puisque l'océan a disparu, il n'y a plus qu'à marcher jusqu'à la pyramide du Seigneur Dragon. Complètement, ouais. Mais même s'il n'y a plus d'océan, il reste de nombreux dangers, vaguement humides. Ouvrez les camps, comme vous dites. Correct. Pas super loin, là. J'ai joué 4 heures environ, 4-5 heures. Ouvrez l'écran de compétences, sélectionnez l'une des 5 classes restantes et tada, vous venez de multiclasser. Vous accédez immédiatement au nouvel exploit de la classe et nouvelles compétences d'action ainsi qu'à des points de compétences d'héroïsme supplémentaires. Gagnez encore quelques niveaux pour débloquer les compétences d'action de votre classe secondaire. Choisir une classe secondaire. Vous pouvez choisir d'utiliser une nouvelle compétence à l'exploit de la classe. À la fin de l'aventure, vous aurez la possibilité de changer de classe secondaire et donc de compétence, mais vous devrez passer par une station maudite éclair pour les équiper. Famille, faction cycliste. J'espère que
que la reine fait des cabrioles dans le ciel sur son arc-en-ciel. Semble infranchissable, mais la quête doit être achevée. On a du mal. Il n'y a pas de limite de poids de l'inventaire dans ce jeu. C'est la fin pour toi. Celui-là est à moi. Pas touche au butin. Toi, tu joues encore à ton jeu, Martha, là? Je croyais avoir tout vu avec elle, mais un océan tout entier, détruit, juste pour remettre son histoire sur les rails. Et toi, complice de son petit jeu, tu l'as laissé faire. Hé, hé, ouh ! Ouais, c'est le haricot magique qui vous parle. Pas la peine d'en faire un fromage, hein ? Ah, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Pas le temps de suite. Aidez-moi à faire avancer la science. Des algues vénéneuses vous barrent la route, on dirait. Et vous aimeriez traverser, pas vrai ? Oui. Pour vous, je suis le plus grand des alchimistes. Ah. De ma famille. La solution, c'est ma solution à base de varech. Ça va les dissoudre. Au lieu d'être dissoutes, les algues se transforment en pierre. C'est normal, la transformation en pierre. Nom d'un homoncule. La solution n'est pas prête. Il me faut de l'essence de morve pure. Allez m'en chercher dans la grotte la plus proche. Bon. Ok, j'ai un tas de trucs. C'est loin d'être suffisant. Rassemblement.
a duré trois plombs, sérieux. Bon. Je me demande à quoi pensaient les dieux quand ils m'ont donné toutes ces compétences surpuissantes. Tu trouves Borderlands, c'est le même style au niveau de la carte quand tu te promènes, etc. Ah non? Mais au niveau de la carte, c'est... Non? Non plus? Allez, je prie. Oh.
De l'essence de morve pure. Faites-vous plaisir. La perfection à l'état pur. Je vais pouvoir achever ma solution. À présent, utilisez la solution de Varek améliorée sur les algues qui vous barrent la route. Je suis le plus grand alchimiste qui soit. L'alchimie est la meilleure de tout le royaume. C'est bien. C'était tout pour l'aventure du jeu Teeny Tiny's Wonderland Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!